Oui, Nad. Oh, il se passe quoi 1, 2, 3, j'ai vu ta mère sur le toit. 4, 5, 6, elle est tombée comme de la pisse. Hey, what's up? Ça doit rigoler pour une FD. Oh, je crois que vous allez bien, les petits potes. Aujourd'hui. Non, j'ai vu un papillon là. Aujourd'hui, les petits potes, on se retrouve pour un nouveau Ask. Donc, vous m'avez posé des questions et aujourd'hui, je vais y répondre. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, tu connais le petit rituel, notre petit pacte. Tu vois, c'est comme un pacte satanique. Sauf que là, c'est un pacte adamique, tu vois. Tu mets ton petit like. Voilà, cette fois-ci, pour cette vidéo, on atteint les 2000 likes. Je compte énormément sur vous, les petits potes. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Et puis voilà, tu me suis sur Instagram et Snapchat parce que dessus, tu peux me parler. Je suis plus proche de vous, etc. Bref, c'est parti, let's go! Adrien, honey, I dash. Spend too much cash. Screw your bags. I knew that you wouldn't last. Alors bon, c'est parti, on va commencer le ask. Oui, mais Adam, ce que je comprends pas, c'est que dernièrement tu fais des asks. Avant, tu faisais pas ça. Mais ton père, le masque. Bref, on va commencer le ask. We're gonna beginning the ask. So let's go, my friends. Tu préfères plus jamais écouter du XXXTentacion, genre aucune musique qui sort pas. Voilà, ouais, bref. Ou plus jamais écouter du 6ix9ine. Plus jamais écouter du 6ix9ine, mon pote. Ah ouais, t'es ouf, XXXTentacion, c'est la base. Comment tu vas appeler tes enfants, PTDR? Pourquoi t'as mis un majuscule? Et si t'aurais le choix, t'aurais voulu t'appeler comment? Tu es en continue tes vidéos, voilà, t'es archi drôle, tu me fais mourir de rire. Oh! Ah oh, mais du coup, comment j'aimerais bien appeler mes enfants si j'ai un fils, j'aimerais bien l'appeler paille. Voilà, parce que j'aime bien les pailles. Quand tu bois le jus, le Coca-Cola, tout ça, tu utilises la paille. Ben moi, j'appelle mon fils paille. Et si jamais j'ai une fille, j'aimerais bien l'appeler like. Parce que là, maintenant, faut que tu lâches un like. Ah si, c'est pas la meilleure stratégie pour avoir des likes, ça. Attends, non, 2 secondes. Non, la vérité, 2 secondes, je sens plus ma main, attends. Et sinon, comment j'aurais voulu m'appeler? What's your name, Adam? My name is Dora. Bah, la vérité, gros, j'aurais préféré m'appeler Adam, tu vois, parce que gros, si je m'appelais pas Adam, j'aurais peut-être pas vécu tout ce que j'ai vécu dans ma life, tu vois. Donc, pour rien au monde, je changerais mon nom. Oui, mais Adam, Adam, c'est le premier sur la terre avec Eve. Adam, c'est la pomme d'Adam. Et il aime bien les pommes. Le verre, je vais jeter le verre. Bref, voilà pour le nom de mes enfants et voilà, jamais je change mon prénom. I never change my name. Cause my name is John Cena. Ah, tu t'attendais pas à celui-là, hein. Moi non plus, c'est venu d'un coup, j'ai tilté, tu sais. Tu vas continuer les threads? Alors oui, je vais continuer les threads. Putain. Allez, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une cascade qui va sortir de ma bouche. Tu sais, c'est même plus des postillons, c'est des pluies de météorites. Non mais bien sûr je compte continuer les threads parce que c'est un truc que je kiffe vraiment tu vois. Mais je compte continuer mais après les 5000 abonnés tu vois pour comme ça sera plus hardcore tu vois. Vladimir. Voilà c'est du russe polonais un peu tu connais les bails. Tu comptes te lancer dans le chant parce que tu chantes vraiment comme une merde. Non je rigole il a pas écrit ça. T'imagines un abonné met ça tu chantes comme une merde. Ah mais je viens chez toi maintenant je te cambriole. J'écrase des affaires je les prends en snap et je te les envoie. Du coup on va re-truc la question parce que voilà. Tu comptes te lancer dans le chant parce que tu chantes vraiment bien. Alors d'abord gracias señorita. Et après non c'est pas un truc qui m'intéresse genre. Je sais que je chante bien tu vois mais t'es le mec modeste ouais je sais que je suis beau ouais non mais oui mais Adam tu fais le beau attends. Ben écoute, quand on est beau, on peut pas faire le moche, hein. Là, je sens que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire « Oui, non mais Adam, t'es moche, crois pas t'es beau, hein. C'est pas parce que... J'ai pas d'argument, Adam. » Non, mais non, ça m'intéresse pas trop. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, t'as une belle voix, t'as ci, t'as ça, mais... » Ça m'intéresse. Voilà, en ce moment, c'est pas mon délire, en tout cas. Ça fait quoi d'être célèbre? Post-scream team. Non, je kiffe ce mot. Post-scream team. On dirait pas un sort d'Harry Potter. Post-scream tube. Okay. Là, normalement, j'ai tous les Marocains qui vont spammer les commentaires, voilà. Mais sinon, ça fait quoi d'être célèbre? Oh, tu sais, 2-3 ous qui m'écrivent, hein. Des meufs qui veulent que je... Fuck. Mais je suis pas célèbre, je comprends pas, ouais. Pour moi, je suis pas célèbre. Le jour où je serai célèbre, c'est le jour où je passerai à la télé. Là, je serai célèbre pour moi, tu vois. Tu vois, le jour où tu verras Adam sur M6, TF1, Gulli. Le jour où tu me verras à la télé dans une boîte comme ça. Bonjour, c'est Adam, alors je fais des vidéos sur internet. Là, je serai connu, tu vois ce que je te dis. Pour l'instant, je suis pas connu, j'ai que 80 000 abonnés, je crois. Ouais, j'ai que 80 000 abonnés, tu vois. Je pète pas plus haut que mon cul comme certains, tu vois, genre, ils ont 10 000 abonnés, ouais, mais j'ai 10 000 abonnés, je veux dire, à un moment donné, je suis supérieur. Vous êtes des modus, je suis un sorcier.
Ouais, t'es un sorcier africain, t'es un marabout si tu veux, mais t'es pas un sorcier de Poudlard ou quoi. Redescends. Donc moi, je suis pas comme toutes ces personnes qui pètent le couleur cul parce qu'ils ont 5000 abonnés. Waouh, j'ai 5000 abonnés. Mes frères, tu fais 2 vues. Redescends. Voilà, ils se sont cru pour des phénix alors que c'est même pas des pigeons, tu vois. C'est en dessous, c'est des tétards, tu sais, c'est des merdes. Du coup, voilà, je suis pas une célébrité, je suis rien du tout, je suis un mec comme vous. Je fais caca, du caca, voilà, je fais pas caca de l'or. Le jour où je ferai caca de l'or, là, je serai supérieur. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et merci pour ton commentaire. Ton objectif sur YouTube, grow up jusqu'à ce que je puisse plus grow up, tu vois. Genre gagner en expérience, tu vois. Parce que pour l'instant, tu vois, j'ai même pas les 5. Mon objectif, c'est d'avoir tous les trophées. Voilà, on va pas parler pendant 30 ans, oui, acquérir de l'expérience pour ma vie professionnelle, avoir tous les trophées, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est le mec, non mais au moins je suis franc, tu vois. Non, je rigole, c'est pas tous les... Un peu les trophées, un peu. Un peu. Non mais voilà, c'est vraiment kiffé, tu vois, mon objectif. Moi, je suis un youtubeur, j'ai plusieurs objectifs devant moi. Tu vois ce que je veux dire? Sur YouTube, si t'as pas d'objectif, arrête YouTube, ça sert à rien. Il te faut un objectif. Soit t'es là pour gagner de l'argent, et c'est un objectif qui est tout à fait compréhensible. Soit t'es là pour gagner en popularité, soit t'es là pour faire des conneries. Voilà. Mais obligatoirement, tu dois avoir un objectif sur YouTube, sinon frère, voilà. Même ton objectif, ça peut être un objectif qui est pas puissant, tu vois. Genre, ça peut être un truc genre s'amuser, tu vois, mais... Sur YouTube, tout le monde a un objectif. Croyez pas que les gens ils sont là par hasard. Le mec que tu vois, il fait des vidéos de 10 minutes à chaque vidéo. Il y a 92 pubs. Il y en a plus qu'avant le film au cinéma. Eh, casse de là. Et après, il vient vers toi. Non, mais c'est la passion. Bon, non, c'est la passion. Parce que j'aime bien que... C'est la passion. La passion de l'argent. Non, mais voilà, mon objectif sur YouTube, c'est kiffer. S'il y a de l'argent qui rentre, ça rentre, c'est tant mieux pour moi. Et basta, tu vois. Est-ce que tu as un style de meuf? Post-scrimption. Non mais à chaque fois que je vais voir un PS ou un post-scriptum en cours de français l'année prochaine, je vais rigoler tout seul, déjà ils vont rien comprendre. Est-ce que t'as un site de meuf? Non, tout et tout, ouais, c'est pas la chmouna que j'ai enlevé, c'est mon nez, je gratte, t'inquiète. Non mais c'est déjà, ils vont me dire, bah oui, mais Adam, t'enlèves ta crosse de nez pendant la vidéo, ça se fait pas. Tu m'énerves, je vais casser un truc. La vie de ma mère, je vais casser un plomb. Et bref, mon style de meuf, j'ai pas de style de meuf, tu vois, tant qu'il y a le feeling qui passe, tu vois, c'est nice pour moi, tu vois. Moi, je m'en fous que tu sois brune, que tu sois blonde, que tu sois bleue. J'aime bien les femmes d'Avatar, c'est bien. Il faut que tu sois un minimum belle quand même, tu vois, faut que tu me plaises après, c'est normal, tu vois. Tu vas pas te mettre en couple avec quelqu'un que t'aimes pas, t'imagines. Oui, mais Adam, il y a des gens qui sont les mariages forcés. Et je vais forcer ta mère à te marier avec une fenêtre. Ça va te faire tout drôle. Tu vas avoir des frères petits. Tu vas avoir des petits frères, ça va être des verts. Tu vas rien comprendre. Et voilà, j'ai pas forcément de style de meuf en mode oui, il faut qu'elle ait les yeux bleus, bleu vénitienne, avec une touche de rosâtre sur les cheveux. T'aimerais faire des collaborations avec d'autres youtubeurs, style Nakagoul, GameX13, etc. Et tu te vois toujours sur YouTube dans 5 ans. Est-ce que j'aimerais bien faire des collabs avec d'autres youtubeurs? La vérité, je sais pas, hein. Y'a personne qui veut faire des collabs avec moi, je crois. Je suis trop malade. Il s'est passé quoi, là? Non, mais je pense que je suis trop décalé. Je suis trop ouf, en fait, pour que... C'est pas, genre... Je dis pas ça en mode supériorité ou quoi, hein. Mais genre, je sais pas, y a personne qui veut faire des vidéos avec moi, frère. Je sais pas, frère. Voilà, je vais faire des vidéos avec eux. Après, dans leurs commentaires, ça va taper « Oui, tes vidéos, c'est du fake !» Après, il va venir vers moi. « Ouais, tu peux dire à ta communauté qu'il se calme, parce que c'est mes vidéos, c'est pas du fake, hein. » Alors, non, mais je sais pas, je suis bien dans mon coin, tout seul. Tu vois, pour l'instant, je suis nice, je suis bien, je suis well done. Donc, pour l'instant, j'ai plein de personnes, tu vois. Et puis, même, faire des collaborations, ça amène à des trucs trop chelous, tu vois. Genre, tu vas gagner tant d'abonnés grâce à ce youtubeur, peut-être, qui est plus haut que toi. Et après, tu vas, par derrière, tu vois, tu vas devoir lui redevoir ce qu'il t'a donné en quelque sorte, tu vois. Il te le dira pas de lui-même, mais il va se dire, ouais, bon, je lui fais gagner 10 000 abonnés, va falloir qu'il me rende à Paris un jour ou l'autre, tu vois. Et moi, j'ai pas envie d'être dans ce cas-là, tu vois. Je veux rien redevoir à personne, aucune dette, never, je sais pas pourquoi je dis never, mais bref. Tu vois, je veux être tranquille dans mon coin, je suis pépère, je suis au calme. J'ai fait mes presque 5 000 abonnés pépère dans mon coin, tu vois. Prochaine question. T'aimerais faire quoi comme métier à part youtubeur? Ça c'est bien parce qu'il y a des gens qui savent que youtubeur c'est un métier. Si jamais YouTube ça existe plus ou si jamais ça avait pas existé, dans le motion design, c'est genre, tu sais les trucs animés, tu sais les images animées, les
les trucs pour les publicités ou les bails comme ça, tu vois. Moi, je kifferais faire ça, tu vois, genre dans le montage, etc. Ça m'intéresse de ouf. Sinon, après, je voulais faire game designer, mais quand j'ai commencé à voir les trucs de binaire, non binaire, je suis non binaire. Ah, j'ai vite laissé tomber, frère. J'ai dit, ah, c'est pas mon délire. On va aller faire des coloriages magiques. Tu vas montrer ta mère dans une de tes vidéos un jour. Si cette vidéo atteint les 10 000 likes, je montre ma mère en vidéo. Tu sais, je fais ça parce que je sais que vous mettrez pas 10 000 likes. Mais je sais que vous pouvez mettre 10 000 likes. Parce que je te dis ou pas, donc, si la vidéo elle a 10 000 likes, je fais une vidéo avec ma madre. Voilà. Elle est pas au courant. Quand elle va voir la vidéo, elle va me hagar, tu vois. Elle va me massacrer sur le lit. Mais c'est pas grave, voilà. 10 000 likes sur la vidéo, je fais une vidéo avec ma maman. Elle dit que t'allais faire un tatouage, mais t'es musulman. Tu vas aller en enfer parce que c'est haram. Alors là, on va passer à un level supérieur de ma supériorité intellectuelle. Donc là, je vais laisser parler mon autre démon qui est plus intelligent que moi. C'est parti. Alors c'est parti, nous allons parler. C'est le mec qui fait des changements. We are the world. We are the children. We are the single motherfucking pride. To say it's on giver. I won't like changes. On va se calmer, d'accord? Alors, j'ai une chose à te dire déjà. Qui te dit que je suis musulman? Déjà, tu vois, on instaure les choses, tu vois. On instaure les choses. Qui te dit que je suis musulman, tu vois? Parce que tu m'as entendu parler arabe? Parce que tu as vu mon visage qui était négrifié, hein? Arabifié, on va dire. Alors déjà, qui te dit que je suis musulman? Peut-être que je suis musulman, peut-être que je ne suis pas. Donc même si je fais un tatouage, ça change quoi ta vie en fait? Je comprends pas. J'ai tatoué grosse merde sur ton dos. Je comprends pas en fait, tu vois. En quoi ça te regarde même si je fais un tatouage, tu vois. Bref, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, tu mets ton petit pouce bleu. Et tu me dis dans les commentaires si tu as kiffé la vidéo. Du coup, bref, les petits potes, si t'es nouveau, que tu vois cette vidéo, que tu kiffes le délire, tu t'abonnes à la chaîne, tu rejoins la Lux Gang Family. Et moi, les petits potes, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out. J'aime le jambon. Voilà, j'aime bien le jambon. Franchement, c'est bon, hein. C'est très succulent.